L'une des étapes importantes pour les 30 prétendantes au titre de Miss France 2023 est arrivée. Ce lundi 21 novembre 2022, toutes se sont rendues à l'aéroport d'Orly afin de prendre l'avion en direction de la Guadeloupe. Si est-il là-bas qu'elles vivront le traditionnel voyage de préparation, notamment marqué par l'épreuve emblématique de culture générale. Mais avant cela, les reines de beauté se sont prêtées au jeu du shooting photo. Et les clichés officiels ont été dévoilés par TF1 en ce jour. Si est-il le 17 décembre prochain que se tiendra l'élection de Miss France 2023. Une cérémonie organisée dans la salle de spectacle M. A.CH 36 situé dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Ce soir-là, les 30 prétendantes au titre donneront le meilleur d'elles-mêmes dans l'espoir de succéder à Diane Eulère, Miss France 2022. Et Sylvie Tellier, qui était directrice générale de la société Miss France, passera officiellement le flambeau à sa remplaçante Sinodie Fabre, Miss France 2005, en fin d'émission. Pour l'occasion, la conférence de presse était organisée le 18 novembre dernier afin de dévoiler les détails de cette belle soirée. Un événement marqué par la grosse altercation entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert, mais pas que. Le public a appris que la soirée Miss France 2023 sera placée sous le signe du 7e art. La cérémonie sera composée de 9 tableaux, soit un de plus que les années passées. Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission Miss France, a précisé que les finalistes seront annoncés lors d'une séquence qui rappelle les Oscars. Et toute une génération de films sera mise à l'honneur pour toucher tout le public. Si est-il Titanic, de James Cameron, qui ouvrira le bal. Harry Potter, les Avengers ou Amélie Poulain seront aussi à l'honneur de cette soirée d'exception. Portrait des 30 prétendantes au titre de Miss France 2023. Mais qui sont les 30 Miss à se disputer la couronne? On fait le point, Miss Alsace et Camille se dira. Elle a 21 ans et est étudiante en école de commerce. Miss Aquitaine et Oriane Galvez-Soto. Elle a 23 ans et est maquilleuse professionnelle. Miss Auvergne et Alicia Leitz. Elle a 21 ans et est étudiante en master publicité. Miss Bourgogne et Lara Le Breton. Elle a 23 ans et est infirmière. Miss Bretagne et Nora Moile. Elle a 21 ans et est étudiante en BTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Miss Centre-Val de Loire et Coraline Leral. Elle a 23 ans et est étudiante en géographie. Miss Champagne-Ardenne et Solène Scholler. Elle a 21 ans et est étudiante en médecine. Miss Corse et Oriane Meloni. Elle a 22 ans et est étudiante en école d'infirmière. Miss Côte d'Azur et Flavie Barla. Elle a 19 ans et est étudiante en troisième année de médecine. Miss Franche-Comté et Marion Navarro. Elle a 19 ans et est étudiante en bachelor fashion business. Miss Guadeloupe et Inodira Ampio. Elle a 18 ans et est étudiante en communication. Miss Guyane et Chaïna Robin.
Elle a 21 ans et est étudiante en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Miss Île-de-France et Adèle Bonamour. Elle a 18 ans et est étudiante en deuxième année d'école de commerce. Miss Languedoc et Cameron Vallière. Elle a 23 ans et est étudiante en master marketing et de communication. Miss Limousin et Salomé Maude. Elle a 23 ans et élue le 1er octobre à Brive-la-Gaillarde diplômée d'un master management des achats. Miss Lorraine et Sarah Outard. Elle a 26 ans et est chargée de conformité. Miss Martinique et Axel René. Elle a 21 ans et est étudiante en master géosciences planétologie. Miss Midi-Pyrénées et Florence Demortier. Elle a 23 ans et est kinésithérapeute. Miss Nord-Pas-de-Calais et Agathe Coé. Elle a 23 ans et est infirmière. Miss Normandie et Perrine Prunier. Elle a 22 ans et est étudiante en master 2 de droit. Miss Nouvelle-Calédonie et Océane Le Goff. Elle a 26 ans et est conseillère bancaire. Miss Pays de la Loire et Emma Guibert. Elle a 20 ans et est étudiante en BTS Tourisme. Miss Picardie et Bérénice Legendre. Elle a 26 ans et est chargée de communication. Miss Poitou-Charentes et Marine Paulet. Elle a 20 ans et est étudiante en BTS esthétique. Miss Provence et Chana Goyon. Elle a 18 ans et est étudiante en commerce et finances. Miss Réunion et Marion Marie Moutou. Elle a 18 ans et est étudiante en licence en sciences sociales. Miss Rhône-Alpes et Esther Coutin. Elle a 24 ans et est étudiante en doctorat expertise comptable. Miss Roussillon et Cara Fontaine. Elle a 20 ans et est étudiante en deuxième année de licence de psychologie. Miss Saint-Martin-Saint-Barthélemy et Inès Tessier. Elle a 20 ans et est étudiante en cinématographie. Miss Tahiti et Ernuitu Ayava. Elle a 24 ans et est étudiante en master web marketing et chargée de communication.